Salut à tous et bienvenue pour les Weekly Conan News de cette semaine. On a eu pas mal de choses très belles, surtout concernant le film 26, donc on va revenir sur tout ça. Tout d'abord, au début de semaine, on a un petit message de Gosho Oyama pour le film Blue Giant qu'il est allé voir. On parlera de l'opening 57 de Détective Conan, on sait déjà qui va le chanter. On parlera aussi de Uniqlo qui ont interviewé Gosho Oyama. Le CEO de Hamuro a donné des infos pour le dernier épisode de White Police Story. On va un peu faire le point sur le nombre d'épisodes canon de Détective Conan, parce que ça reste quand même important, certains ne savent pas combien il y en a, et ça peut aussi aider pour en motiver certains à commencer. Évidemment, on a eu le trailer du film 26 cette semaine, plus le theme song, donc on sait qui chante pour l'ending du film 26, et ça fait extrêmement plaisir. On a également un commentaire d'un des membres du groupe qui chante pour l'ending du film 26. Aibara a été nominé pour les Magademy 2022, Netflix France et Netflix Japon ont sorti une saison chacun de Détective Conan cette semaine, 48 secondes du nouveau thème de Yugo Kano pour le film 26 ont été dévoilées officiellement, on a déjà la date de sortie pour le tome 102 de Détective Conan en France. On a la présentation des Key Persons pour le film 26. On a aussi une belle description du membre de l'organisation Pinga. Une nouvelle affiche à Toro est arrivée comme chaque année l'année dernière. C'était les membres de White Police Story et cette année on va voir qui est sur cette affiche. On a aussi un message de Gosho Oyama pour le film 26 avec un petit message de suspense à la fin. Il y a une illustration de Gosho Oyama que j'avais oublié de vous montrer qu'il avait fait au mois de février. Donc on va revenir là-dessus aussi. Et puis on parlera de la preview de l'épisode 1077 qui sera un épisode canon et qui sortira la semaine prochaine, le 11 mars 2023, au Japon. Allez, let's go! Donc on commence tout de suite avec Uniqlo Japon et Gosho Oyama. Uniqlo a interviewé Gosho Oyama le 27 février 2023 et à cette occasion Gosho Oyama a réalisé deux shikishi, un avec le couple Shinran et un autre avec le duo Kohai pour faire plaisir à toute la communauté. Après, Gosho Oyama a choisi le t-shirt Conan et Aibara parmi tous ceux qu'il y avait dans la collection Uniqlo Yuti. Mais bon, c'est peut-être juste en référence au film 26 par rapport à une certaine scène dans le trailer. Ensuite, pour l'opening 57, ce sera le groupe Wands qui fera son retour. Ils reviennent tous les trois openings. Ils avaient déjà fait l'opening 51 Makanalip et l'opening 54 Yura Yura. Cette fois, l'opening 57 s'intitulera Raise Inside. Franchement, là, on a un ending dans le thème de l'organisation, il ne manque plus qu'un opening dans le thème de l'organisation et on pourra enfin avoir l'adaptation du tome 100 comme il faut. On pourrait même avoir un opening avec ce qu'il se passe dans le tome 100 sans nous montrer le visage de Rum et une fois qu'il a été dévoilé, on nous le met dans l'opening comme ils avaient fait avec le boss de l'organisation. Et l'opening 57 sortira le 25 mars 2023. Peut-être que c'est le début de l'adaptation du volume 100, on verra bien. Ensuite, on a un message de Gosho Oyama pour le film Blue Giant qu'il est allé voir au cinéma. Et il a dit, c'était tellement amusant, j'étais tellement impliqué émotionnellement, rire, la musique et les images allaient de pair. Et même si je ne connais pas le jazz, j'ai été attiré. Donc voilà, et en plus, le directeur de ce film est Yuzuru Tachikawa qui travaille aussi sur le film 26 de Détective Conan. Et dans ce film 26, on aura aussi du jazz. Donc ça va faire extrêmement plaisir. Ensuite, le seiyuu de Amuro Toru, durant une émission radio, a dévoilé que l'épisode de White Police Story qui sera sur Furugi est sur le point d'être diffusé. C'est le chapitre final, le chapitre 13 de White Police Story, donc en un seul chapitre, ils vont faire un épisode entier, on va voir comment ils vont faire ça, mais ça va enfin conclure tout ça, et on sait que tout à la fin de ce chapitre, Amuro reçoit un message de Rum, donc ça pourrait être une transition parfaite pour adapter le tome 100, et en plus, Amuro apparaît une fois pendant cette confrontation, donc au final, c'est un peu comme s'il sera là pendant la confrontation. Ensuite, faisons le point sur le nombre d'épisodes canon de Détective Conan à l'heure actuelle, et normalement, ça devrait être le compte exact, il y a 595 épisodes canon. Donc, si on rajoute l'épisode de White Police Story plus l'adaptation du tome 100, peut-être en 4 parties. C'est pas sûr que c'est en 4 parties, mais ce serait le mieux. 6 chapitres en 4 parties, c'est faisable. Et ça ferait 600 épisodes canon tout pile. Donc, peut-être que c'est encore une coïncidence, peut-être que c'est volontaire, mais au moins, le staff pourrait marquer le chiffre de 600 épisodes canon avec le reveal de Rum. Et on verra bien si c'est ce qu'ils feront vraiment. Logiquement, c'est ce qui devrait arriver, même s'il y a des épisodes filler après l'épisode de White Police Story. Au moins, si l'adaptation du tome 100 est en 4 partie, ce sera parfait. Et oui, on l'a eu enfin, le trailer final du film 26. Il est sorti cette semaine, ça fait extrêmement plaisir. Je reviendrai pas sur tous les détails du trailer, j'ai déjà fait tout ça dans ma vidéo réaction plus analyse du trailer du film 26, donc vous pouvez aller la voir, j'ai à peu près tout analysé. Mais si vous avez repéré d'autres choses, ou si vous avez des théories sur ce qui pourrait se passer pendant le film, ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo réaction et analyse. Et on connaît aussi qui chante le theme song, et ce sera le groupe Spitz, donc les rumeurs étaient vraies.
Et ce seront eux qui chanteront pour le thème du film 26. Et on a même un commentaire d'un des membres du groupe. C'est donc Masamune Kusano du groupe Spitz qui nous dit « Spitz a écrit une chanson pour Détective Conan. Nous avons été surpris nous-mêmes. C'est un grand honneur. Je pense que Conan est plus qu'un mystère. C'est une histoire d'amour épique. Donc j'ai créé cette chanson avec l'image d'être capable d'accompagner à la fois l'histoire d'amour déchirante et le drame d'action palpitant. Par ailleurs, on me demande parfois si l'écolier dans les paroles fait référence à Conan. Ne vous méprenez pas, c'est un astéroïde. Et vraiment, la chanson est excellente. Allez écouter le trailer. Vraiment, je trouve personnellement qu'elle colle parfaitement aux émotions qu'on va ressentir dans ce film si les trailers nous montrent bien la vérité. Et on a aussi un commentaire de Gosho Aoyama comme chaque année pour le film 26. Et Gosho Aoyama nous dit « Salut, c'est Aoyama. Cette fois-ci, la scène se déroule au fond de la mer. Conan pourra-t-il sauver Ai Aibara qui est en train de sombrer au fond de la mer? Les hommes vêtus de noir contre Ai et Conan feront beaucoup battre votre cœur et vous serez surpris par l'ombre du poisson dans la dernière scène. » Rire. Voilà, Gosho Aoyama met un peu de suspense et nous dit de bien rester jusqu'à la fin du film parce qu'on va être très surpris. Donc on verra bien ce qui se passera tout à la fin du film. Et il faudra aussi rester pour la scène post-credits, ça c'est sûr et certain. Ensuite, Aibara a été nominée pour les Magademy 2022 dans la catégorie du meilleur personnage féminin en second rôle. Et on aura les résultats du gagnant le 15 mars 2023, donc on va voir qui va gagner. Mais ça fait déjà plaisir d'avoir Aibara là-dedans cette année, ce film est concentré sur elle, donc ça fait toujours plaisir de voir ça. Ensuite, Netflix France a sorti la saison 4 le 1er mars 2023. Et Netflix Japon a sorti la saison 5 de Détective Conan le 1er mars 2023 aussi. Donc la semaine dernière, on avait parlé de la saison 4, c'est à peu près les épisodes 4 dedans. Et dans la saison 5, il y a notamment le Haido City Hotel, le retour dangereux. Donc on a quand même de sacrées grosses affaires qui sont de retour avec une très belle qualité. Il y a même l'épisode spécial, l'affaire du Symphonie sur le bateau avec Eiji et Conan. Ensuite, le thème que Yugo Kano a réalisé pour le film 26, on a 48 secondes qui ont été révélées officiellement sur Twitter. Encore une fois, Yugo Kano a fait un très beau thème, ça fait plaisir, c'est toujours aussi agréable aux oreilles. Il a peut-être fait encore mieux que pour le film 25. Et on verra une fois que les OST seront disponibles le 12 avril 2023 au Japon, on pourra écouter entièrement ce thème et on verra ce que ça donne. Ensuite, on a la date de sortie pour le tome 102 de Détective Conan en France et le tome 102 sortira le 18 août 2023. Gana ont déjà mis ça sur leur site. On sait déjà que le tome sortira à cette date-là. Ça fait plaisir, mais on s'en doutait puisque le film 26 sort en France le 2 août au cinéma. Évidemment, le tome allait sortir à cette date-là. L'année dernière, Gana était un des partenaires de Eurozone. Donc peut-être que cette année ce sera encore le cas. On a la nouvelle affiche pour le Toho Cinéma et sur cette affiche on a le duo Kohai encore une fois. Donc ce seront eux qui seront à l'affiche devant le Toho Cinéma Umeda d'Osaka au Japon jusqu'à début mai. Cette affiche restera là-bas. Et on a un petit message du compte Twitter qui dit le miracle mignon de Conan et Aibara qui vous attendent au cinéma. Ensuite on a la présentation des Key Persons pour le film 26. Donc c'est disponible sur le site. J'en ai fait une traduction sur mon Twitter en français et en anglais. Donc si vous voulez aller lire ça, c'est sur mon Twitter, mais on va revenir surtout sur la description qu'on a eue de Pinga dans un des dépliants qui était disponible dans les cinémas du Japon. On ne connaît pas encore le sexe de Pinga, mais il est présenté ainsi. Devenu le bras droit de Rum après la mort de Kurasao, il cherche à s'élever au plus haut rang et est prêt à renverser tout ce sur son chemin et brûle de rivalité avec Jin. Donc ça fait déjà plaisir qu'on mentionne Kurasao. Il y a un lien avec le film 20, ça fait plaisir parce qu'ils savent que Kurasao était un personnage énormément apprécié. Donc faire un lien comme ça, ça fait plaisir. Peut-être que Pinga était le frère de Kurasao, on sait pas, on verra bien. En tout cas, c'est le bras droit de Rum, comme avec Kurasao dans le film 20. On verra ce que ça donnera, mais sa rivalité avec Jin est extrêmement intéressante. Maintenant, on va revenir sur une illustration que Gosho Aoyama avait fait au mois de février 2023. Donc, au dos d'un des posters du film 26, on pouvait retrouver une illustration avec un message de Gosho Aoyama qui dit « Voilà comment sera le film de cette année. Akai, Aibara et Conan versus Jin, Vermouth et Bourbon. » C'est vrai qu'on voit bien que chacun est de son côté. Bourbon est avec l'organisation, Akai et Conan sont de leur côté. On verra ce que ça donnera dans le film, mais on va sûrement vivre beaucoup d'émotions dans ce film, et ça fait extrêmement plaisir. Et puis on termine avec la preview de l'épisode 1077, qui vient confirmer ce que le seiyuu Toru Furuya de Amuro Toru Furuyare et dans Détective Conan avait dit dans son émission radio. Et ce sera bien l'épisode final qui adapte le spin-off de Détective Conan White Police Story, avec le chapitre 13, avec le jour où Rei et tous ses amis sont devenus officiers de police. Donc on verra bien comment ils ont fait cet épisode la semaine prochaine, et on verra bien quand sortira enfin l'adaptation du tome 100 avec le FBI versus l'organisation. Mais on attend tout ça avec impatience et on espère que ça sortira avant que le film 26 ne sorte au Japon. Et voilà, c'est la fin de ces Weekly Conan News. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai trop hâte de voir le film 26, mais malheureusement, il va falloir patienter beaucoup. Mais bon, au moins, on a le film, c'est déjà ça. Et on aura peut-être pas du tout d'avant-première d'après ce que Rosu m'avait dit. Donc on va devoir attendre, mais au moins, on finira par le voir un jour. Et en attendant, on peut aller regarder la saison 4 sur Netflix France. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.